toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des cookies à la pistache. Pour cette recette, il vous faudra donc 100 g de farine, 100 g de beurre doux, dur, que vous venez juste de sortir du frigo, que vous allez couper grossièrement en cubes. Il vous faudra également 50 g de sucre roux. Si vous avez que du sucre semoule à la maison, vous pouvez très bien l'utiliser également. Il vous faudra 50 g de pistaches, des pistaches non salées et sans la coquille évidemment. S'il y a la coquille sur vos pistaches, il vous suffit juste de les enlever avant de faire votre recette. Et il vous faudra également une cuillère à café à ras de cannelle moulue. On commence tout de suite par prendre une planche ou bien un plateau et on va concasser nos pistaches à l'aide d'un couteau. Et je vous montre ça tout de suite. Je viens maintenant prendre un saladier dans lequel je vais mettre la farine, le sucre roux, la cannelle, ainsi que les morceaux de beurre et je mélange ma préparation du bout des doigts. Maintenant que j'ai obtenu une jolie boule de pâte, je viens ajouter mes pistaches concassées à ma préparation et je mélange l'ensemble à nouveau. Maintenant, sur une plaque à pâtisserie avec du papier cuisson, je viens prendre un petit peu de pâte, la quantité d'une cuillère à soupe, et je viens former une petite boule que je viens écraser avec la paume de ma main. Et je fais ça avec toute la pâte. J'enfourne maintenant mes cookies pendant 10 minutes dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés. Mes cookies à la pistache sont à présent terminés. C'est une recette facile, pas chère, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Reproduisez-la à la maison, c'est une superbe idée de goûter ou de dessert gourmand. Je vous souhaite un bon appétit, mais avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs, allez visiter notre page Facebook, Cuisine Facile Pas Cher officielle. Et nous avons également un compte Instagram du même nom, Cuisine Facile Pas Cher. Bon appétit et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!